Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo sur Pokémon Bouclier. On a Nabil qui nous attend dans le fond. Je sais plus si j'avais soigné mes Pokémon, je sais pas si c'est normal qu'ils ne bougent pas. Oui, c'est bon, ils bougent. Oui, j'ai regardé ma bite pour voir s'ils bougeaient vu que c'est ça mon joystick. Voilà, c'est dit pour le 18+. On re-soigne nos Pokémon. Au passage, juste tant qu'on est dans le début de l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez commenter, il y a une petite animation qui va suivre. Et donc, on va parler de quelques commentaires que j'ai reçus sur les précédentes vidéos. Alors avant tout, merci Zach pour ta question. Vu que tu abordes le sujet, voudrais-tu faire un Nuzlocke ? Excuse pour l'orthographe. Ça m'intéresse, en tout cas. Je suis curieux de voir la suite de l'aventure avant de pouvoir me prononcer, forcément. Mais en tout cas, je suis intéressé par un Nuzlocke. Je vous rappelle qu'un Nuzlocke, c'est un mode, une façon de jouer à Pokémon qui est un peu plus ardue, un peu plus difficile et un peu plus fun aussi à regarder sans doute, mais un peu moins, basé sur la découverte. Donc c'est pour ça que je préfère faire ce début de let's play, déjà ce let's play avec des équipes de Galar par exemple, uniquement des versions de Galar ou des Pokémon de Galar. Je cherche vraiment à jouer sur les nouveautés de l'épisode, donc voilà pourquoi. Tu aurais pu appeler Labinocle le Fanta, et ça je n'ai pas compris pourquoi, peut-être la forme du visage un petit peu. Je ne sais pas, pauvre Fanta. Je sais pas ce qui est le plus bizarre, les enfants qui agressent des inconnus qui agressent des enfants ou des personnes qui soignent des inconnus. Excellente question, pourquoi personne n'a parlé de ma miniature? Mais c'est pas grave. Moi je vais en tout cas vous dire de continuer à commenter pour la suite des vidéos, pour cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. Rejoignez la chaîne Twitch, comme ça m'évitera d'oublier de faire des streams le mercredi après-midi. Bonjour. Splendide fleur, ouais, d'accord. Si, si, mais oui, maintenant à 3, d'accord, ok, si tu l'es. Plante! Oh, alors c'est comme ça! Donc on commence avec plante. Alors attendez, est-ce que c'est marqué sur toute la. Apparemment, oui, je dirais que c'est l'eau. Et c'est lui qui finit la série. Mais est-ce qu'il suffit de leur parler en fait? C'est ça le truc. Aha! Ok. Pourquoi pas? Centrifugifle. C'est quoi cette attaque? Le sort pivote pour prendre de l'élan et infliger des dégâts. C'est pas mal! Sur le papier. C'est quel type? J'ai pas reconnu. J'aurais dit ténèbres ou vol peut-être. Ténèbres. Haha. Encore pas de Pokémon ténèbres pour le moment. On va avoir donc affaire à une arène de type plante. Du coup, ceux qui vont être bien, même très bien. Bah à la limite, il va y avoir Pierre qui roule. Même si, voilà, il va se prendre des dégâts normaux, il va pouvoir faire masse dégâts. Puisque les attaques de type plante vont être fortes sur le type proche qu'il est, mais faibles sur le type. Sur le type. Nabil ? Sur le type. Feu ? Hop, une petite sauvegarde. Surtout pas notre. Notre type eau, je sais plus comment il s'appelle, Torgamore, là, le. Je sais plus comment il s'appelle. Mette un peu ça ! J'ai eu mon badge plante, j'ai trop assuré. Après, j'avoue, j'ai rassemblé des moumoutons, c'est clairement mon truc. Limite, j'ai ça dans le sang. Quoi? Mais je sais que tu vas y arriver, toi aussi. Après tout, t'es mon rival. What? L'épreuve avant le truc, c'est de rassembler des moumoutons. Tu te fous de ma gueule. Qu'en fait? Ok. Au bal masqué, ohé, ohé. La Pokéball que je vais donner, c'est le symbole de l'amitié. C'est le symbole de l'amitié. Oh putain. La copain ball. Oh la vache. Je l'ai pas vu venir celle-là. Merci beaucoup. Mission d'armée. Maintenant, quoi ça consiste? Oh là 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 là. Il parle de Nabil? Ou de moi? Et c'est bon. Il. Bah,
Ok, bon bah ils ont qu'une seule phrase. Très bien. Qu'est-ce que tu vends, toi? Putain, ça m'a explosé la gorge, en vrai. J'en ai 4. Si, c'est des Pokéballs que je vais racheter. Tu me vends toujours une... Ah, voilà, une Honor Ball. Merci. Yo, gamin. J'arrive pas à attraper de Miaouz de galère et ça me chagrine. T'en auras pas un, pardon, je te jure, contre mon Miaouz à moi. Non. Pokémon Feu, c'est la base, d'accord. On va faire un truc. Si tu gagnes un badge plante, je te promets de retenir ton nom. Oh, c'est mignon. Ce sera ma première fan. Il paraît que c'est le rival. Ah, c'est bien de moi dont il parle. Oh. Yama. Ah. Voilà. Ok. 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 De type acier. De type psy. De type. Y'a le type feu ou. Putain, y'a pas le type feu. Non, Dodge. Va te faire foutre. Oui, ce sera tout. Ok. C'est parti, mon zizi. Bonjour, challenger. Bonjour, challenger. Je suis là pour t'aider à t'inscrire. D'abord, laisse-moi te rappeler les grandes lignes du défi des arènes. Dans chaque arène ou tout stade, si tu préfères, tu devras accomplir une mission d'arène afin de pouvoir affronter le champion. Il te faudra vaincre les 8 champions pour récupérer leurs badges respectifs. Mission d'arène, c'est quoi? Les missions d'arène sont des épreuves à surmonter avant de pouvoir défier le champion. C'est un peu comme un échauffement. Les missions d'arène varient d'une arène à l'autre. Tu veux que je t'inscrive pour la mission d'arène alors? Bah oui, je veux absolument le badge. Pour participer, il faut que tu enfiles ton uniforme. Regarde bien parce que je me déshabille pas devant tout le... Ah bon. C'est le début des défis d'arène pour toi. Bonne chance. Putain, s'il faut rapatrier des... Enfin, le berger, quoi. J'espère que je suis payé pour ça, au moins. Comment ça, non? Comment ça, je suis pas payé? Qu'est-ce que tu... Bon, bah... Padaba, 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 papa. Bonsoir au grand... Au comment... Au... Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Truc d'agriculture, là. Agression. Oh putain, t'es moche avec ta moustache. Bien, je vais te décrire l'objectif de mission de la reine de Greenbury. C'est simple et ludique, il faut courir après les moutons. Les moutons. Le but, c'est de rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront le bélier avec leurs mains et elle s'écroulera. Tu pourras ainsi avancer. D'accord. Mais au fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Guido. Je fais office d'arbitre pendant les missions et j'annonce également les résultats sur ce que la mission commence. J'ai un berger australien, ça m'aide, hein, je sais comment il bosse. Merci, c'est une bonne note ça. Ah, oh, faut que je fasse en fonction du vol toutou. Ouais. Il y a un dresseur là. Si je ne m'abuse. Allez. Bien bonjour challenger. Désolé que ma mission, désolé mais ma mission c'est de te faire quitter ce pâturage. Bon, ça va, il a l'air gentil. Tim, il a pas de chance. On va lui cramer la gueule. Ça a été dit. Hein. Allez, ils sont au niveau de 16 par contre. C'est plus inquiétant qu'autre chose. T'as peut-être plus efficace comme attaque, non? Je sais pas, je présume. Et d'un... Ouh, il y en a un qui va gagner un level, je sais plus c'est quoi. À cet endroit-là. La binocle! Bravo, challenger! Vous formez une équipe incroyable, tes Pokémon et toi. Bon, t'en avais surtout vu qu'un Pokémon, hein, mais bon...
Oh, merci, Valtoto. C'est une plante. Putain, je crois que c'était autre chose. Ah oui, ils ont plus peur de moi que du... Allez, agresse-moi. Dis-moi, tes Pokémon ont l'air d'avoir envie de montrer leurs capacités. Laisse-les se défouler. Oui, bah écoute, on va pas se gêner. Rodrigo. Oh. Il m'appelle Rodrigo. Je vais lui faire une voix comme ça. Par contre, t'as un rose bouton, Rodrigo. On en parle ou pas? Voilà. On n'en parle plus. Pierre qui roule a failli passer niveau 20. Heureusement pour l'instant il n'a pas un seul qui a point poison. Et c'est assez cool. Même si je pense que lui là. Et lui il va être plus, un peu plus résistant, ouais. Volvi, ça va. J'ai une très très bonne défense, je suis surpris. Je m'attendais à bien pire. Ça c'est fait. Au revoir Mister. Niveau 20. Oh, il a gagné que des PV. Pouvoir antique, ça c'est bien ça. Ça va être bien mieux que ça. Maï et suis aux abois, et vole tout doux se moque de moi. Je suis pas un grand fan de la musique, honnêtement. Honnêtement, cet univers-là me fait penser aussi à Animal Crossing, j'ai vraiment hâte qu'il sorte sur Switch. Je sais que j'ai pas la tronche à jouer à Animal Crossing, hein. Le mec il joue à des jeux comme Borderlands et tout. Oh merde. Hop là. C'est la Winance. Oh là. La petite rousse, elle me regarde là. Oh. Comme sur la petite miniature d'avant. Je vais essayer de faire un maximum de ce genre de miniature. Au moins ça met dans l'ambiance sur le moins de 18, hein, je veux dire. Allez, t'en veux-toi encore un peu que je fasse une bonne miniature. Voilà, là ça devrait être bon au niveau de l'angle. Voilà, you touch my tra-la-la. Oh, my ding-ding-dong. Le champion n'est plus très loin. Le champion n'est plus très loin, mais tu n'auras pas l'occasion de l'affronter. C'est vrai que ça lui vient une grosse voix, mais bon, ça existe malheureusement. C'est juste dommage qu'ils lui ont fait ces yeux-là, la petite rousse. C'est, par contre, c'est une dresseuse d'arène, c'est nouveau ces trucs-là. Je veux dire, ce titre-là de dresseur. Ça c'est fait. Au revoir Coquine. On se reverra au tour suivant. Ou pas. Ça dépend, ça se trouve elle a un deuxième Croquine. Citron sorbet qui passe au niveau 19, nice. Un mystère. Bah. À la limite, je vais peut-être lui mettre la ceinture pro avant le combat contre... contre Percy. T'as évité l'attaque ? Alors, il faut savoir que l'esquive, ça va aussi en fonction de la vitesse du Pokémon. Normalement. En tout cas, à une certaine époque, c'était comme ça. Du coup, bah, plus j'augmente la vitesse avec Nitro Charge, plus il va être en mesure d'esquiver les attaques adverses. C'est assez cool. Quelle force ! C'est bon, tu peux rejoindre le champion ! Je suis désolé, j'ai oublié la voix que je lui ai fait au début de la... du combat. On va lui mettre le ceinture pro. Regarde vite fait si j'ai pas... Non. Hop là.
C'est parti, mon petit Percy. En tout cas, l'arène est sympa. Ah, et là, j'arrive dans le stade. Ah, oh, c'est triste. Pardon. Ah, j'ai qu'un seul gant, encore une fois. Ah! Putain, ça veut dire qu'il va dynamaxer un Pokémon aussi, lui. On arrête. C'est quoi que j'avais fait comme moi? Je m'en rappelle plus. Non. Bon, après un petit check, je sais que c'est la voix de Sparadrap que j'avais fait. Oh, mon arène est la première étape du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, Marcus, tu as accompli cette mission au la main. J'en attendais pas moins de toi, hein. Tu as de très bons instincts en ce qui concerne les Pokémon. Tu les comprends? Ce combat s'annonce serré. Je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. Alors c'est débile parce que regardez, il a que des Pokéballs autour de lui, je crois. Oui, et malheureusement, il vient de lancer une Hyper Ball. Il a un tournicoton de niveau 19, l'enfoiré. On va tenter de le rect. Pas suffisant. Ce n'est pas très efficace. Est-ce qu'il va le soigner? Non. Et de 1. Elle est pas mal la musique. Non, je veux pas en changer. Pas mal, pas mal. Mes foies d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot. On va être son évolution. Oh, il va le faire grossir. Ouais. Dynamax en action, c'est l'heure de la récolte. La question c'est, est-ce que je peux l'affronter alors qu'il est Dynamaxé? Ah, il est vachement plus résistant. J'espère que t'as les Gibbles solides, car voici la capacité Dynamax. Ok, ça fait mal. Allez, on est sur du gazon. Voilà. Ah, tous les Pokémon récupèrent des PV, d'accord, cool. On va Dynamaxer Pierre qui roule. Avec un Pyromax. À mon retour. Tripote ma grosse bouboule. Vous voyez, on avait le modèle charbon, minecart de charbon des trucs normaux, là on a la version du Nord. Ça c'est ce qui se passe quand t'as plus assez de liquide dans ta cigarette électronique, tu brûles ton coton. Phytosonarome. Je vais peut-être en avoir besoin cet hiver, moi. Quoi?
Comment ça se fait que j'ai pris aussi cher? Pyromax! Get wrecked! Voilà. Ah merde, j'ai fait exploser son Pokémon. Oh. Ah oui, c'est une version évoluée d'un Pokémon, donc forcément. Bon, clairement, il est bon en défense et en attaque spéciale, défense spéciale, enfin, attaque spéciale. Donc, Nitro Charge n'est vraiment pas la technique qui lui correspond. Pierre qui roule, il est trop fort. J'ai eu beau te donner, tu m'as envoyé paître. Tu as du talent, Challenger, ça se voit. Tu veux pas rejoindre ma guilde? Ton entraînement a porté ses fruits. Je te donne donc ce badge plante. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion du défi des arènes. Ok. Oh, ça par contre c'est sympa, ça j'aime bien. Je l'ai compris quand j'ai vu la forme. Vous pouvez maintenant capturer les Pokémon jusqu'au niveau 25. Pour compléter le défi, il va te falloir glaner les 8 badges des divers champions. Et oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre. Bonne chance! Bravo pour ta victoire contre Percy. Tiens, c'est une petite cité pour ta publicité. D'accord, ok. Feuille magique, si tu veux. Elle n'échoue jamais, je crois. Voilà, c'est ça. Et cadeau de la maison, l'uniforme de Percy. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sien, hein. C'est le même que le sien, mais à ta taille. Merci. Un conseil pour toi, Marcus. Il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiford et y défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Après tout, tu as le badge plante maintenant. Tu as donc su prouver que tu maîtrisais les bases. Tu devrais y trouver des Pokémon de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne va pas être facile de les attraper. Souviens-toi de mon nom! Parfait. Voilà, c'est fait. Elle s'en souvient. Et là, il n'y a personne pour m'accueillir, genre j'ai gagné? Oh, c'est dommage! Bon, bah une petite sauvegarde. Y'a plus de café, y'a plus de café. Et quand y'a plus de café, y'a plus de café. Oh, y'a plus de café! Pardon. Le truc, c'est que dans les terres sauvages, y'a beaucoup de Pokémon qu'on a déjà rencontrés dans les anciennes générations. Et je préférais avoir que de la nouvelle génération. Cela dit, je manque un peu d'entraînement, je dois bien le reconnaître. Je vais regarder la carte. D'accord. Ah, mais en fait, on repasse par la... D'accord. Et potentiellement une autre région, d'ailleurs, de la... des terres sauvages. D'accord, très bien. Allons voir. Oh, génial! Alors ça, c'était introduit dans... Ruby et Saphir. Et c'était assez génial, parce qu'on les voyait à la télé ensuite, on se voyait à la télé. Et j'adorais les affronter, parce qu'en fait, ils donnaient des vraies astuces, des vrais conseils sur ton équipe que t'avais déjà pour les affronter. En plus, ça va être un combat double. Nice. Je suis un peu déçu de voir beaucoup de Pokémon des anciennes générations jusque-là. Alors par contre, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a un... Alors, on a un type assis et ça c'est génial. Donc contre le tic, ça va très bien marcher, par contre, ouais. On va essayer d'avoir le... le stag. Il y a du bol, il a pas été attaqué électrique. J'espère qu'il a pas... je sais plus comment que ça s'appelle. Le truc qui permet de...
d'électriser sur le... Il a pris cher. Forcément, hein, pas que ce soit un coup critique. Je vais essayer ça avec une petite... Je vais voir si ça passe. Je veux m'assurer d'avoir les deux et pas qu'ils prennent un deuxième coup critique dans le nez en fait. Suffisant, c'est bon. Parfait. C'est plutôt bien passé. Je ne sais comment résumer mes impressions en deux lignes. Quel potentiel exceptionnel. Merci, c'est gentil. J'ai perdu, est-ce que ça veut dire que le reportage tombe à l'eau? Ben non, moi je vous fais une interview quand vous voulez, les mecs. Vous voulez une interview? Ah. J'ai un chien chidou qui me suit. Ça c'est... D'accord. Ok. Alors toujours visiter ce genre d'endroit. Bonjour. Zap zap. Ah bah tiens, ça c'est un Pokémon qui est nouveau ça. Oh. Nice. Oh, c'est animé au-dessus de sa tête. Par un procédé chimique, il change son poison en électricité. L'intensité du courant est faible, mais il peut engourdir un ennemi. Ouh. Stunley. Ce sera Stan, mais... Stunley. J'aime bien. Le clair de l'équipe, il est bien plus stylé que... Que le citron sorbet. Pourtant j'ai un chien qui est un berger hein, qui ressemble un petit peu. Bon pas qui ressemble pas du tout à ça mais. Ah d'accord. Il est niveau combien? J'ai pas vu. What? Il est stylé. Ah! Ah il est niveau 1. Ah falloir que je le train. Je crois que c'est un mec. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Lorenzo. Nounourson. Je sais pas pourquoi il marche autant ce Pokémon, en vrai. Ce n'est pas très efficace. Il est quel type, Nounourson? Il y a un type acier dans le tas? Non. Bah non. Le type roche aussi? Tiens, ça t'apprendra. Boum! Pour une fois que ça marche. Un petit coup de tour rapide et ça devrait être suffisant. Boum. Bitch. Autant pour moi. Ah, le petit poil de cul. Allez, allez. Tue-le. Pose-le. C'est bien. J'ai cru voir un truc chelou à l'arrière de son corps. Je vais arrêter de regarder l'arrière du corps des... Ouh. Niveau 8. Il envoie un Tarsal. J'ai envoyé la binocle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la binocle. En plus, il est niveau 19. Je pense que niveau 20, il va évoluer. Il a évolué au niveau 10. Les évolutions d'insectes sont assez rapides, normalement.
Je vois pas de Pokémon insecte qui est peut-être... Ah si, je crois qu'Aéromite, c'était assez tard. Hein. Ah, il est de type fée aussi, c'est vrai, j'avais zappé les détails. J'avais zappé ce petit détail. Oh! Il fait que ça! Il récupère des PV, je lui en enlève. Il récupère des PV, je lui en enlève. Petit à petit, je vais finir par le ronger, mais. Voilà! Il y a Stun qui gagne des levels, c'est cool. Trick qu'on n'a pas vu depuis... Belle lurette. Bombidou, je sais pas ce que c'est. Un insecte? C'est une nouvelle génération ou... Ah, c'est pas forcément un insecte alors. Pourquoi c'est toujours moi qui me bouffe les coups critiques? Ah. Ça va prendre 3 plombes. On va essayer choc mental. Ils ont rajouté un E à Volvi. Ah ah! Par contre, t'aurais pu le foutre confus, ça aurait été rigolo. Bon bah ça c'est fait. J'ai remarqué un truc, quand je me prends une attaque, mon dresseur disparaît de derrière moi. Quand eux se prennent une attaque, leur personnage reste. Je sais pas pourquoi. Stanley qui passe niveau 10. La déception qui est au niveau 23. C'est une très bonne déception du coup. Les Pokémon sont des êtres vivants, on ne peut pas toujours contrôler leur développement. Si, 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 tu fais gagner des niveaux avec de l'expérience. Contrôle du développement. Oh! Oh! Oh la vision périphérique de merde qu'est-ce que tape. Pardon, hein, mais... Vous savez quoi, on va continuer, on va y mettre... Ah, il a pris cher. Wouah, c'est pas une petite bite. Bouh. Je vais te montrer de quoi sont capables les champions que j'ai élevés. Oh, champion, carrément. Le terme de champion dans Pokémon, attention, ça veut dire quelque chose. Hein. Manami. Mamie, quoi. C'est ma mamie. Un chien chinois. Choc mental! Non, m'écrase pas la face! Je suis un insecte, ça veut tout dire pour moi! Oh. On est d'accord, j'ai une chance de rendre confus. Voilà. C'est juste pour savoir. M'en fous, j'utilise des attaques. Spéciales. Tu veux pas. Confusir? Non mais lol. Tu mérites d'être confusi là. Hein. Non mais oh, respecte mon autorité, bon Dieu. Ne t'inquiète pas, je comptais bien t'achever. Hein. Confusons-le. Voilà. Bah non, tuons-le plutôt. Alors elle a dit mes champions, ça veut dire plusieurs Pokémon normalement. Stanley et Pierre qui roule. Nice. Candine. Ça ressemble à un truc, je dirais, plante. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà affronté ce Pokémon? On va envoyer autre chose. C'est pas la version évoluée du petit insecte? On a vu juste avant, là. Non, c'est un truc rose. Ah non, même pas. Bah, c'est rose, tu me diras, mais... Allez, va le bouffer. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ah, niveau 22. Oh non, ça m'intéresse pas, provoque. C'est intéressant, mais... Oui, mais non, quoi.
Stanley a pas encore gagné une seule attaque ou c'est moi? Je ne savais pas quelle capacité utiliser, voilà le résultat. Bah ouais d'accord, ouais, non, si je comprends la logique. Elle a des super Pokémon, mais elle ne sait pas les utiliser. Ah il faudrait que je fasse du Poké Camping pour soigner mes Pokémon. Oh. 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 Ouais. Ouais. Cuisinons. Je sais même pas ce que je fais, hein. Je vais prendre des trucs. J'ai que deux tubercules. J'ai pas des baies en multiples, non. Allez, on bourre. C'est comme ça qu'on cuisine en vrai. On met tous les trucs ensemble et on voit bien ce qui sort. Oh putain, on a l'impression qu'il a une couche culotte, regardez. Pardon. Allez. Ah, ah, ah oui. Vas-y, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Ah oui. 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 Pourquoi ça marche pas? Faut que j'appuie sur le bouton alors. J'ai l'impression que ça marche pas. Oh ouais, 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 ouais. T'arrêtes pas. Ouais, allez, 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 allez. C'est si bon. Ça fait tellement mal à mon poignet dans notre jeu. Allez. Quoi? J'ai pas touché. J'ai juste remis la manette dessous. Bon bah, échec cuisant. Je sens que ça va être dégueulasse. Au moins tout le monde s'est amusé, c'est déjà ça. Curry amer à la pâte de tubercule. Déjà c'est bon signe. Pourquoi c'est la binocle? Oishi Deska. Mais j'ai pas de crémie. Bon bah l'objectif qui était que qu'il soit soigné, c'est fait. Si tu me fous un... Oui, si tu veux. Si tu me fous un soigneur juste après, je pète une durite, hein, soyons honnêtes. Hein. Ah, c'est pas drôle, ils mettent que des Magikarp. Il est niveau combien? 10... Oh la vache. Bon, allez, get wrecked. Ça, c'est fait. Est-ce que ça va être suffisant pour le faire pex? Je ne pense pas. Le... Ah, quoique. Pas possible. Merci, Stan, tu me remontes le moral. Il y a un chef cuistot. Why the fuck not? Bien, j'en ai utilisé un paquet, m'en donner 3 d'un coup, ça fait plaisir. Ah d'accord, c'est juste une autre descente à côté. Hop là, t'aurais dû voir mon curry, bonhomme. Ça alors, je rassemblais des paix. Eric. S'il y a un cuistot qui s'appelle Philippe, je veux qu'il ressemble vers pomme. Voilà, vache. Donc ça, c'est un Pokémon, parce que pour moi ça ressemble à une pomme. Alors j'aime bien le style. Loin de là... Je suis con, ça voulait de type plante, j'aurais dû utiliser sur 20 sectes. Je vais mettre un... Alors déjà d'une, c'était super efficace. Et de deux... J'allais dire, je vais mettre un verre dedans, et j'ai l'impression qu'il y en avait déjà un, finalement. Ah, c'est un type plante, donc.
D'accord. Haha. Est-ce que ma théorie va se confirmer? Si seulement j'avais une baie pour donner un peu de PV à mon Pokémon. Eh non. Très bien. Je croyais que ça allait être niveau 20. Cul, bute-moi fort, coquet. Hop là, je vais capturer le culbute, ok, c'est obli... Ah, c'est un femelle. Bah, culbute-moi pas, alors. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Allez. Oh oh. On en refait encore un et normalement je devrais être en mesure de... le capturer. Voilà. Parfait. C'est parti. Allez, 1. OK. Ah, c'est con, tu vas pas m'envoyer une Pokéball au nez avec riposte. Est-ce que c'est le lien du destin là qui m'emmerde? Parce que si c'est le cas. 1, 2, 3. Je crois que c'est ça qui m'emmerde en vrai. On va essayer d'envoyer autre chose qu'une... Peut-être qu'elle veut être honorée, elle veut que je l'honore. Ouf, je voulais pas avoir à me taper un cul- une culbutoké. J'ai 4 Super Balls, je vais envoyer une Super Ball. On verra bien. Si elle veut pas... En plus, c'est les bonnes couleurs. Ok, allez. Fuck it. Si je te bute, tu tues mon Pokémon. Alors, c'est ce que je vais faire. Fais chier. En fait, ça, c'est la gonzesse. Tu couches avec une fois. T'avais mis une capote et tout. Elle te dit, non, non, mais je suis enceinte. T'es obligé de... Hein? Tu réagis. Bon, c'est moche, ce que je viens de dire, hein, bien sûr. Hein. C'est la... C'était pour faire une blague, mais elle était de mauvais goût. Comme la plupart de mes blagues, mais... Mais là, ça devient gonflant. Ah, oh, ça y est. Bah heureusement qu'il y avait autant de points d'XP, honnêtement. Non, oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, oh, tant pis. Allez, dans le PC. Au revoir. Je voulais l'appeler la culbutée, mais en fait, finalement, la culbutée, ça allait être sans doute trop long. Du coup, je voulais l'appeler seulement culbutée. Mais ça n'a pas... Ok. Dégageons le passage. Oh, tu vas nous filer ton vélo, oui. On a un pont à traverser et une chopinette à encourager, nous. Et à vélo, c'est plus facile aussi pour poursuivre les challengers. Et puis quoi encore, on n'avait même pas de motisma, bande de clowns. Ah, challenger, je suis tombé à pic. Ces deux guignols veulent essayer de voler mon vélo.
Tu voudrais bien me rendre service et me débarrasser d'eux? Comment il me sort ça? Par contre, le mec, il fait vraiment flipper. On dirait, je sais plus comment il s'appelle, dans Kabuto. C'est ça? C'est pas Kabuto. Si, peut-être. Mais quel mytho! On ne veut pas lui voler son vélo, on va juste lui réquisitionner pour la bonne cause. Poursuivre les challengers pour les épuiser, c'est une bonne cause, mais en fait, j'ai une idée. Le meilleur moyen de dégoûter les gamins comme toi du défi des arènes, c'est de leur mettre une bonne raclée. Insecte, super efficace. Ah! Alors, s'il envoie Stanley, je suis dans la merde. Ah, ça a pas marché. Ah non, c'est aboiement, je me suis cru que c'était hurlement, putain, je suis con. Moi d'abord! Oh merde. Ok. Roublenard, tiens, ce serait l'évolution de Goupil. Non, ouais, c'est Goupilou. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est ça. D'accord. Mimiqueux. Non, c'est pas Goupil qui s'appelle si Goupil, je sais plus. Un Pokémon avec une moustache, on va dire humanisée, je trouve ça vraiment très très moche. Pardon, mais j'aime bien l'aspect qu'il porte un masque. Mais une moustache humanisée, non, ça me va pas. Les bottes aussi, par contre, c'est cool. Parce qu'il porte littéralement des gants. Allez! On va pas réussir à le battre. On va pas réussir à le battre. Il va nous la mettre avant. On va envoyer Trick, ça fait longtemps. On va le bifler un coup le renard là, puis on va bien voir après ce qui va se passer. Je dirais même qu'on va le bifler deux coups. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Ouh, ça pexe. Alors question, est-ce que je vais devoir affronter les deux sbires? J'ai pas eu le temps de lire sa phrase, je suis con, j'ai été trop vite. Si on peut plus emprunter des vélos tranquilles maintenant, c'est clair, il nous faut ce vélo, il n'y a pas d'autre moyen. Tu vas peut-être exploser mon pote, mais moi je vais pas te rater. C'est bien ce qui me semblait. Un Ténéfix, j'aime bien ce Pokémon. Il a une super histoire, un super background. Le problème c'est qu'il va me rect. On va envoyer. J'allais dire, on va envoyer Piafman. C'est parti. Ok. Il a encore griffe au niveau 18, hein. C'est un peu triste. Voilà, ça c'est fait. Non, je m'imaginais déjà sur ce vélo à semer la terreur, ça m'a déconcentré. T'es coriace, toi. Un vrai danger pour Rosemary. On va s'assurer que tu puisses pas lui nuire. Vous voulez me taper dessus? Ah non. C'est pour moi.
Parfait, excellent, merci pour le service. Mais dis-moi, je vois que tu as un Pokédex, ça signifie que tu as un Motisma, non? Excellent, parfait, je vais donner mon vélo, au moins il sera entre de bonnes mains. Il faut savoir que c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que Motisma raffole des moteurs, à tel point qu'il n'hésite pas à sauter dans n'importe quelle machine avec un moteur. Et c'est là que j'ai une idée de génie, en attachant un moteur sur un vélo, je me suis dit, peut-être que Motisma se jettera dedans aussi. Et puis on pourrait appeler ça un Vélotisma, ou une Moticyclette, peut-être. Mais bien sûr! Oh allez, essaye, je suis sûr que tu vas adorer la Moticyclette. Monte ce vélo avec ton Motisma. La Moticyclette, ouais, j'aime bien Moticyclette. Il suffit d'appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins. Allez, on selle. Ouh. Ensuite. Ouh, j'appuie sur B, ça sprint. Alors, est-ce que je viens de consommer les fameux précieux watts ou pas, là? Par contre, ça va vite. Allez, j'entre en vélo. Je sauvegarde. Et je vais vous laisser là pour cet épisode, les amis. On va se laisser là, on va se retrouver dans le prochain. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérifier, le liker, le partager, vous abonner. Le pouce bleuisé, maintenant, faut que je pense à enregistrer ça aussi, dans ma tête. Commentez, donnez-moi vos avis, donnez-moi ce que vous pensez, par exemple, de fameux Stoneley, là. Je trouve assez stylé, moi, personnellement. Je regardais si je pouvais le faire bouger un petit peu, mais non. Phobique. Si le Pokémon est touché par une capacité de ténèbres, spectre ou insecte, sa phobie se révèle et sa vitesse augmente. Oh, intéressant. Je sais pas, je le sens bien, moi, ce Pokémon. Et peut-être que je vais l'entraîner un petit peu, puis on se retrouvera demain pour la suite de nos aventures dans Pokémon. Salut les gens, et yop !